Oh là les gens, Sentimouche, et nous sommes de retour pour jouer un mauvais tour sur le tout nouveau Let's Play Portal 2. Oui, je ne suis pas le seul à avoir fait un Let's Play, bien sûr. Il y a d'autres youtubeurs, mais on s'en bat. Donc, ça a été fabriqué par Valve, en combien je ne sais pas, et c'est un jeu de stratégie. Donc, pour moi, la stratégie, ça va. Alors, j'ai déjà joué, bien sûr. Et je l'ai déjà terminé. Donc, allez, c'est parti. On va faire nouvelle partie. Voilà. Oui, alors. On va pas trop regarder les noms. Non, j'ai rien dit. Non, je voulais dire pas regarder les noms des chapitres, mais si vous voulez, regardez. Il y aura un peu de spoil. Voilà. C'est parti. Je ne vais pas parler. Hein, c'est un jeu où c'est fait de pas parler. Donc, ce sera bien pour vos oreilles que je vais pas parler. Bon, on va juste attendre que ça charge. Il y a juste les chargements où je peux parler, hein. Allez, c'est parti. Allez? Non? Oui, non? Non, mais oui. Ouais, c'est parti. Bonjour. Votre cryostase a duré 50 jours. Conformément aux lois nationales et fédérales, tous les candidats au test du centre de relaxation prolongée d'Aperture Science doivent être réveillés régulièrement pour effectuer des exercices physiques et mentaux. Vous allez entendre une sonnerie. Veuillez alors regarder le plafond. Bien. Vous allez entendre une sonnerie. Veuillez alors regarder le sol. Bien. La partie gymnastique de vos exercices physiques et mentaux est maintenant terminée. Un tableau encadré est accroché au mur. Veuillez vous placer devant. Ceci est de l'art. Vous allez entendre une sonnerie. Veuillez alors contempler l'art. Vos facultés mentales ont été ravivées par l'art. Si vous estimez que votre intellect est insuffisamment stimulé, veuillez écouter ce court extrait de musique classique. Bien, à présent, veuillez regagner votre lit. Bonjour. Votre cryostase a duré 9 ce message Léo, quitter son Léo centre d'enrichissement. Tout sujet de test ouvrir la porte sera un de ces jours. Vous demeurez en état de relaxation Léo, pendant toute la destruction du présent centre. Vous comptez ouvrir la porte parce que c'est urgent un peu. Mais ouvrez la porte. Qui est en tête dans le bureau devant vous. Salut camarade, ça vous dirait d'ouvrir la porte? Bonne chance. T'entends l'espagnol. Hola, amigo! Abre la puerta donde está... Non. Oui! Ah! Oula! J'avais une mine à... Superbe. Superbe. Comment ça va? Non, ne répondez pas. Je suis sûr que ça va. Vous aurez largement le temps de vous remettre. Allez-y, mollo. Préparez-vous à l'évacuation d'urgence. Du calme. Préparez-vous. Il n'a rien dit de plus. Tout va bien. Bougez pas. Vous pouvez nous faire sortir d'ici. Bon, vous en faites ce que vous voulez, mais un conseil, accrochez-vous. Ça va de votre côté? Vous m'entendez? Léo! Après quelques mois en cryostase, la plupart des sujets ressentent une détérioration de leurs facultés cognitives. Vous, ça fait nettement plus longtemps que vous y êtes. Il n'est donc pas exclu que vous ayez quelques lésions irréversibles de rien du tout. Ne vous inquiétez pas, hein. Si vous vous inquiétez, c'est bien. C'est une réaction normale quand on vous dit que vous avez des lésions irréversibles. Vous me comprenez? Oui, non, un peu. Est-ce que vous arrivez à me suivre? Répondez juste oui. Je vois, non. Ça s'appelle sauter. Vous avez sauté, c'est ça. Mais peu importe. Petite pomme. Pomme. Bon, vous savez quoi? On va s'en contenter. Accrochez-vous! Système de sécurité du réacteur dysfonctionnel. Veuillez vous préparer à la fusion du cœur du réacteur.
Bon, écoutez, je voulais pas vous le dire, mais je suis un peu dans la mouise. Comment ça va de votre côté? Vous faites tout? L'alimentation de secours est en rade. Du coup, tout le centre de relaxation arrête de réveiller les sujets de test. Approchez-vous, c'est un peu délicat. Bien sûr, qui est le dernier informé? Moi, c'est vrai, à quoi bon me dire quoi que ce soit? Hein, je vous demande, à quoi bon me tenir au courant des fonctions vitales des 10 000 sujets de test que je suis censé superviser? Ah, c'est étroit. Vous voyez quelque chose que je vais pouvoir passer? Il y a la place? Bon, il faut juste que je fasse ça là. Bon, il faut juste que je me concentre. Et à votre avis, qui c'est qui va payer les pots cassés quand la direction viendra par ici et découvrira qu'on entretient 10 000 légumes? Ah! En plus, je rentre en plein dedans. Ce serait pas mal qu'on accorde nos violons, pas vrai? Si on vous le demande, ça risque pas d'arriver, hein, mais si on vous le demande, pour vous, aux dernières nouvelles, tout le monde était vivant, pas du tout mort. Ok, on y est presque. De l'autre côté de ce mur, il y a l'un des vieux circuits de test. On devrait y trouver un appareil dont on va avoir besoin pour sortir d'ici. Je crois que c'est une station d'accueil, ça. Préparez-vous. Bonne nouvelle, c'est pas une station d'accueil, un mystère de résolu. Je vais tenter un override sur ce mur. Accrochez-vous, ça risque de devenir méchamment technique. On y est presque. Pour rappel, vous cherchez une arme qui fait des trous. Enfin, des trous de balles, mais vous verrez bien. Accrochez-vous bien, d'accord? Et voilà. Je vais être honnête, vous n'êtes sans doute pas en état de vous lancer dans ce genre d'épreuve cognitive. Mais au moins, vous savez sauter, c'est déjà ça. Vous êtes fortiche en 3D. Faites de votre mieux, d'accord? On se retrouvera plus loin. Bonjour et bienvenue au centre d'enrichissement d'Aperture Science. Nous éprouvons actuellement des difficultés techniques dues à des circonstances potentiellement apocalyptiques, indépendantes de notre volonté. Cependant, en vertu des protocoles d'urgence, les tests peuvent continuer. Ces messages préenregistrés sont destinés à vous fournir instructions et motivations, afin de continuer à servir la science, même en cas de destruction de l'environnement ou de la civilisation. Le portail s'ouvrira et les tests d'urgence débuteront dans 3, 2, 1... Voilà, donc je peux enfin parler. Bon, voilà, c'était un joli intro. Donc, voilà, la preuve. Là, nous sommes dans le vrai portal. Pas dans le workshop 3, là, où on avait fait, regarder si on était vraiment la fille. Le bouton demeure une priorité, même face aux conditions adverses. Si les conditions sont la plus étonnante de votre test, sachez que ce cas de figure a peu de chances de se produire deux fois. Bref, allez. Vous inquiétez pas, ça c'était pas l'énigme. Le premier énigme, c'était l'intro. Voilà. Là, ça va commencer. Le jeu va commencer maintenant. Normalement. Si vous sentez un liquide sur vos épaules, allongez-vous et exercez une pression continue sur vos tempes. Il s'agit d'un effet rare mais néanmoins connu. La grille d'émancipation matérielle d'Aperture Science a simplement émancipé vos tympans. Voilà, là, ça commence les énigmes. Ça commence. Bien sûr, les premières énigmes sont les plus faciles. Voilà. Bien. En raison de difficultés techniques, votre environnement de test ne fera pas l'objet d'une supervision. Avant de retrouver un caisson de relaxation à l'issue des tests, veuillez prendre le temps d'en consigner les résultats.
Un préposé de réintégration d'Aperture Science vous réveillera des fins d'entretien une fois la civilisation reconstruite. J'espère que vous entendez bien dans la vidéo, hein, pour, là, les bruitages, sinon vous avez dû monter le son, peut-être. Si la Terre est actuellement gouvernée par un animal, un nuage, doué de conscience ou toute autre entité gouvernementale qui refuse ou est incapable d'entendre le son. Un peu juste voir les affiches. 2. Ok. Mais c'est dans le cas. Hey, vous avez réussi! Il doit y avoir un générateur de portail sur ce podium. Mais je le vois pas. Il est peut-être tombé. Vous pouvez aller voir. Ah ouais, on va aller voir, on va aller voir. Oh ah ouais. Ouais, ouais, il est tombé. Oh, oh, oh. Oui, oh, il... Vous voyez le générateur? Oui, il est tombé. Non. Non. Vous savez ce qu'on va faire? Je vais partir du principe que vous êtes encore en vie et je vais attendre ici que vous arriviez. Je vais attendre, disons, une heure. Après ça, je fais demi-tour et si je trouve votre cadavre, je vous enterre. Ça marche comme ça? Mais ouais, il m'enterre, hein, si je trouve mon cadavre. Voilà, c'est ça. Voilà l'objet de nous. De notre machine pour résoudre les énigmes. Donc, c'est super simple. Alors, voyons voir les images. Voilà. Dégueulasse. Give the cake. The cake. Ah, voilà le portail gun, là. Portal gun. Voilà, il s'appelle le portal gun, là, l'objet. Bon. Voilà, on fait un trou dans le gâteau. Et voilà, on ressort dans l'autre portail. Et on peut bien revenir comme ça. C'est assez intéressant. Pour l'instant, on peut faire qu'un portail. Hein. Pour l'instant. Vous inquiétez pas, c'est pas du spoil. Certains tests d'urgence peuvent nécessiter une interaction prolongée avec des androïdes militaires mortels. Nous tenons à vous assurer que tous savent lire et ont reçu un exemplaire des lois de la robotique à titre indicatif. Bien, si vous estimez qu'un androïde militaire mortel n'a pas respecté vos droits stipulés dans les lois de la robotique, indiquez-le dans votre formulaire d'auto-rapport. Un futur préposé au dédommagement d'Aperture Science ne manquera pas d'enregistrer votre plainte. Ce sera tout le temps comme ça, hein. Ça va parler, ça va parler, ça va parler. Ça va parler. Le prochain test est très dangereux. Pour vous aider à rester calme face à une mort certaine, la musique d'ambiance vous sera administrée dans 3, 2, 1. Vous inquiétez pas, je l'ai déjà terminé. Bon. Oh là là. Le truc le plus difficile du monde. Bonjour. Eh, le tube, ouais, il est là. Ce message étant préenregistré, tout commentaire de notre part sur votre réussite relève de la spéculation. Veuillez ne pas tenir compte de tout compliment non mérité. Bon, bon, bon. Oui, alors c'est à peu près la suite là. Sinon, on va un peu voir les autres trucs. Ok. Ah, ouf, j'ai fait un tour sur mon nez. Une canette. Nope. Si vous avez fait déjà Portal 1, il y a quelques celles que vous avez peut-être déjà vues. Peut-être. Il y en a qui vous vous souvenez pas.
si le centre d'enrichissement fait l'objet d'un bombardement de boules de feu, météorites ou autres corps spatiaux, évitez les zones dans lesquelles l'absence de protection antimétéorite ne constitue pas un élément constitutif du test. Voilà. Ok, on attend d'ici. Ouais, c'est bien ça, c'est bien ça. Oh, c'était failli, hein, c'était failli rester sur la plateforme. Bravo. Bon. Le centre d'enrichissement vous rappelle que malgré l'adversité, vous n'êtes pas seul. En effet, il suffit de 1,1 volt à nos pseudo-personnalités pour maintenir leur intégrité, même dans des environnements apocalyptiques. Pour l'instant, les salles sont faciles. Pour l'instant, hein. Des fois, je me souviens plus des salles. Le prochain test repose sur la conservation de l'énergie cinétique à travers les portails. Si les lois de la physique n'ont plus cours dans le futur, Dieu vous garde. Ah, est-ce que ce sera là où on va connaître les versions? Ouais, je pense que là, on va apprendre les versions ou un peu, voilà, vous voyez, un peu stratégique. En fait, je sais pas si vous voyez à cause des petites lags, mais... Oh, punaise. Ouh, il a failli tomber. Bon, bien sûr, il faut remettre un portail. Alors, je vais juste voir. Ok, c'est à peu près comme ça. Je vérifie toujours. Hein. Voilà. Si vous êtes un non-employé ayant découvert ce centre parmi les ruines de la civilisation, bienvenue. Les tests sont l'avenir, et l'avenir commence avec vous. T'as même pas pu finir ta phrase. C'est pitoyable. Bon. Portail ici. Donc, ce qu'on va faire. Ce qu'on va faire là. Voilà. Ouf. J'ai eu la tête qui a bouleversé là. Ok, donc... Ouais, c'est... Je vois. Faut retomber. Ouf, voilà. À peu près ici. Ouais, je pense qu'en fait, on était déjà bon. Ah non. Non, pas du tout. Voilà. Peut-être qu'il faudrait prendre le plus haut. Non, c'est bon. Votre découverte être d'avenir. Cela étant, si l'avenir est peu susceptible de commencer avec vous suite à une barre mentale, un âge avancé ou une irradiation prononcée, veuillez regagner votre tribu primitive et envoyer une personne plus apte au test. J'essaye pas de comprendre dans les phrases. J'essaye pas. Formidable! Vous avez vraiment trouvé un générateur de portail! Comme quoi c'est vrai ce qu'on dit. Aux innocents, lobotomisés, les mains pleines. Si c'est pas beau quand même. Placez un portail sur le mur derrière moi et je vous retrouve de l'autre côté de la pièce. Ouais, c'est vrai que c'est un peu cassé ici. Placez un portail sur le mur derrière moi. Ouais, chut. Alors, ce qu'on voit là. Alors, je sais pas si vous voyez, mais il y a une bombe. Une bombe nucléaire. Non, mais en fait, c'est pas une bombe nucléaire. C'est plutôt une réserve de...
Ah ouais, ça, c'était dans les premiers, en fait, ouais. Regardez les... Je vous réexplique. Regardez. Il y a un portail derrière moi, d'accord? Et vous le traversez. Ouais, c'est bon, c'est bon. Bon, écoutez, j'ai un truc à vous dire. Un truc assez barge. On m'a dit de ne jamais, au grand jamais, me déconnecter de mon rail de guidage. Sinon, je mourrais. Mais là, on n'a plus trop le choix. Alors, tenez-vous prête à me rattraper au cas où je ne tomberais pas raide mort dès que je me serais détaché. À trois. On y va? Un. Deux. Trois. C'est haut. C'est trop haut même, non? Enfin, bon, quand on y va à trois, on a trop de temps pour réfléchir. On va y aller à un ce coup-ci. Allez, on est prêt? Un. Soupez-moi! Ah! Ah! Je suis pas mort. Pas mort! Allez, on le pousse! Ça, c'est gênant. Ah, j'essaie de le pousser! Vous pensez que vous pourriez me ramasser si vous êtes là? Non, 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 non. J'essaie de te pousser à fond. Mais. Eh oh! Vous voulez bien me ramasser? Nope. Dites, vous êtes toujours là? Vous pourriez me ramasser? On peut. Non, on est obligé. Oh, voilà. Formidable, merci. Branchez-moi sur ce truc là-bas, sur le mur, d'accord? Je vais vous montrer quelque chose. Vous allez essayer. Non. Ouais. Je peux pas faire ça si vous matez. Non, mais je plaisante pas, hein. Vous pouvez vous retourner une petite seconde? Pourquoi? Hein, pourquoi? Ok. C'est bon, vous pouvez vous retourner. Paf! Compartiment secret que j'ai ouvert pendant que vous aviez le dos tourné. Ah ouais, ok. Ramassez-moi, on part d'ici. Nope. Alors, vous me ramassez? Vous pouvez me ramasser? Non. Mais, oh, mais on est obligé! Oh! Mais c'est dégueulasse, ce jeu. Là, je plaisante. Regardez, je suis plus tributaire du diktat du rail. On peut même pas lancer. Ah, c'est formidable. Ah. On peut aller où on veut. Où est-ce qu'on va au fait? Ah, attendez, attendez que je me repère. Il faut que. Qu'on suive le rail. Oh non. Hey, bonjour, c'est ça. Au revoir. Surtout, les croisez pas du regard. Non, merci, ça va. C'est gentil. Avancez, avancez. Bonjour. Bonjour. Je ne suis pas comme les autres. Ouais, ok. Chargement. Alléluia. Phew, quand même. Dans Portal 2, ce que j'aime, c'est les tourelles. Ce qu'ils disent là. Je suis pas comme les autres. Trop mignon. Ah oui, en fait, je crois qu'il faudrait que je vous briefe sur un truc. Pour s'échapper, on va devoir passer par la salle de... Si vous savez. Et si jamais elle est en vie, ben, elle va sans doute nous tuer. Si vous voulez, vous pouvez laisser tomber. On n'a qu'à rester tranquille ici, pour toujours. C'est un choix. Choix A, rester tranquille ici. Choix B, aller là-dedans, quitte à se faire tuer, si elle est vivante. Bon, allez, on va y aller. On va avancer, let's play. Ou bien je fais mon sadique, on s'arrête ici. Non, non, il y a eu beaucoup de bavardage. Il y a eu beaucoup de bavardage, il n'y a pas eu trop de stratégie. D'accord, je vais jouer carte sur table. Je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas rentrer là-dedans. N'y allez pas. Elle est cinglée. Cinglée, je vous dis. Allez, en route. On s'en bat les steaks. Celle-là, quand même, c'était un sacré numéro. Une vraie folle dingue. Vous savez qui a fini par la désactiver? Ça, c'est la meilleure. Vous allez jamais me croire. Un humain. Je sais, moi non plus, j'y croyais pas au début. Après ça, l'humain s'est échappé et personne ne sait ce qu'il est devenu. Et ensuite, il y a eu une longue période pendant laquelle il s'est absolument rien passé, et puis maintenant, nous qui nous échappons, donc voilà, c'est à peu près tout. Vous êtes à la page. Ne touchez à rien. Ok, je touche à rien, je touche à rien. Je ne touche à rien. Vous inquiétez pas. Nyeh. Alors, si vous avez fait déjà Portal 1, vous pouvez reconnaître un peu cet endroit cassé. Oui, alors... Ah, ok, il faut juste... Non, en fait, il faut rien faire. Je sais pas quoi faire. Bon. Oui. Alors, franchement, je suis perdu, là. Faut faire quoi? Ah ouais, ou peut-être tout simplement... voilà, continue ici. Voilà.
Descendez cet escalier. Sautez. En fait, à bien y regarder, ça fait loin, non? Ça passe. Ça passe. Formidable. Vous m'avez agrippé. Tout va bien. Rudement bien, même. Ah! Je viens de baisser les yeux. Je vous le déconseille. Ah! Ça a commencé. Ouais, c'est joli, on va. Bon. Ça, c'est la salle des disjoncteurs. Allez, on entre. Cherchez un disjoncteur marqué module d'évacuation, d'accord? Et ne touchez à rien d'autre. Ok, je regarde. Ça ne vous intéresse pas. Ne touchez rien d'autre, ne regardez rien d'autre. Enfin, forcément, il faut regarder partout pour trouver le module d'évacuation, mais dès que vous voyez quelque chose qui n'est pas marqué module d'évacuation, regardez ailleurs. On regarde, on vérifie, et hop, on regarde plus et on passe au suivant, d'accord? Et vous allez me dire que je me répète, mais surtout, ne touchez à rien. Ok. Vous le voyez quelque part? Parce que moi, pas. Mmh. Vous savez quoi? Connectez-moi et j'allume la lumière. Bon, allez, mets la lumière. La lumière soit. Ouais, allez, vas-y. Vas-y, mets la lumière, allez. Regardez, on pivote. C'est pas bon signe. Mais tant qu'on monte pas, ça va. Alors, le module d'évacuation. On monte. D'accord. Ok, non, c'est pas grave. Je maîtrise. Ça devrait nous ralentir. Non, c'est même le contraire. Oh oh. Mise en marche initialisée. Ok, pas de panique. Arrêtez de paniquer. Je peux arrêter ça. Il y a un mot de passe. Pas grave. Je peux le hacker. Non? Ok. C. Mais j'ai pas essayé B. Prenez des notes. Mise en marche terminée. Bon, alors, changement de programme. On fait comme si de rien n'était. On a rien fait. Bonjour! Tiens, c'est vous. Vous vous connaissez? Ça faisait longtemps. Qu'est-ce que vous devenez? Pour ma part, la mort m'a beaucoup occupée. Vous savez, depuis que vous m'avez assassiné. Depuis quoi? Ah! Non! Ah! Vous et moi, nous avons dit des choses que vous allez regretter. Mais nous pouvons, je pense, mettre nos différends de côté pour le bien de la science. Sale monstre. Mais si vous vous êtes donné la peine de me réveiller, j'en conclus que vous aimez tout particulièrement les tests. Comme je vous comprends, mais d'abord, il nous reste un petit détail à régler. Et voilà, Portal 2 commence avec cette intro. Avec GLaDOS qui se réveille. Bon. Je vais un peu baisser le son là. Ça me fait mal aux oreilles. Nous y voici. L'incinérateur. Ouf. Attention, je ne voudrais pas vous voir trébucher sur les restes de moi-même que vous avez jetés là. Oui. Le générateur de portail doit être par là. Oui. Trompez-le et nous pouvons commencer les tests comme au bon vieux temps. Oui, non. Oh, fuck, j'ai failli tomber, attention. Alors. Non. Vous inquiétez pas, j'ai rien fait. C'est pas un fail. Ce n'est pas un fail. J'ai essayé de faire un jeu de plateforme. Créer un jeu de stratégie en plateforme. Mais c'est impossible. L'incinérateur. Ah ouais, c'est bon, on a compris. Je ne voudrais pas vous trébucher sur les restes de moi-même que vous avez jetés là. Le générateur de portail doit être par là. Oh non ! Oh, YouTube ! Trouvez-le et nous pouvons commencer les tests. Comme au bon vieux temps. Ah bah voilà, re le truc. Voilà. Bien, vous avez le double générateur de portail. Voilà, là on peut faire deux portails. Voilà, là on peut décider comme on veut. Voilà. Bon. Voilà. Après le début des tests, le protocole m'impose de limiter au maximum mes interactions avec vous. Les tests n'ayant pas commencé, c'est notre dernière occasion de parler. Savez-vous ce que j'ai appris de plus important grâce à vous? Que j'avais une fonction de sauvegarde rapide. Une sorte de boîte noire qui, en cas de défaillance majeure, réserve pour analyse les deux dernières minutes de ma vie.
J'ai pu, ou plutôt j'ai dû, revivre mon meurtre de vos mains, encore et encore. Vous savez, si vous aviez fait ça à quelqu'un d'autre, il aurait pu passer sa vie à tenter de se venger. Heureusement, je suis au-dessus de tout ça. Je ne demande qu'à oublier et reprendre le travail. C'est vrai, il y a beaucoup à faire et il ne nous reste plus que 60 ans. Plus ou moins. Je n'ai pas les tables de mortalité devant moi. Ok. On commence déjà à 19h19. Mais quel désordre ici. Mais l'important, c'est que vous êtes revenu avec moi. Et maintenant, je connais toutes vos vilaines ruses. Nous allons pouvoir faire des tests jusqu'à la fin de vos jours. Après ça, qui sait, je vais peut-être me mettre à la nécromancie en dilettante. Ah, ok. Ouf, elle a enfin fini de parler. Ok. Ouf, enfin. Ouais, ça va encore parler, encore, et beaucoup plus. Ouais, c'est super. Excusez le désordre. Je me suis un peu laissé aller depuis que vous m'avez tué. À propos, merci. Diagnostic de sarcasme terminé. Ah, parfait. C'est de nouveau opérationnel. Je vais réparer tout le reste pendant que vous effectuez ce premier test très facile. Un test à base de laser mortel, visant à déterminer la façon dont les sujets réagissent au laser mortel. Voilà. Bon, alors. Pas très difficile. Voilà. C'est bon, là, on reprend là. Vous vous débrouillez comme un chef. Mais je vous conseille d'économiser vos forces. Il reste encore beaucoup de tests. Voilà comment j'ai créé les lasers. Lolololol. Bon. J'ai bien envie de terminer cette vidéo, non? Non, j'aime bien continuer. J'aime bien. Voilà. Un peu de plaisir. On est déjà au chapitre 2. Génial. La prochaine salle comporte des cubes anti-découragement. Je venais de les développer quand vous avez fait votre petite crise. Nous allons enfin pouvoir les tester ensemble. Il doit y en avoir dans le coin. Ah ouais, il doit y avoir dans le coin. Ok. Ah ouais. Bien sûr, si vous marchez dessus, hein, ça fait bim, 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 et voilà. Ouais. Il est déjà où le truc? Ah ouais. Bravo. Voici les résultats des tests. Vous êtes quelqu'un d'affreux. C'est ce qui est marqué. Quelqu'un d'affreux. Et les tests ne portaient même pas là-dessus. Je suis quelqu'un d'affreux? Eh ben non, je suis un mec, moi. C'est vrai que nous incarnons une fille, donc voilà. Non, mais en fait, ça veut rien dire. Ne laissez pas l'argument « quelqu'un d'affreux » vous décourager. Ce n'est qu'une question statistique. Si cela peut vous rassurer, la science a maintenant entériné la décision d'abandon de votre mère biologique. Ouh là là, y a trop de son, Ah mince! Ok. En fait, y avait eu un truc, c'est que en fait, je devais déjà être dessus. Aïe. Bon. Eh mince! Oh là là. The troll du cul. Aïe. Et y a un autre qui est là-bas. Donc, il faut amener un autre cube qui est... Qui est par ici.
Oh punaise, ok. Ok. J'aime bien, mais quand même, il y a un bout d'un moment où le son le fait, là. Je pense que c'est bon. Hein. Oui, alors, j'aime bien cette musique. Franchement, j'aime bien. Mais quand même, faut pas trop s'attarder dessus. Bon, en fait, alors, je vous préviens tout de suite, il faudra bientôt qu'on s'arrête, parce que... Oula. Ouf. Alors, vous allez dire, pourquoi nous devons arrêter? C'est parce qu'en fait, il y aura plus de batterie sur mon PC. Vous inquiétez pas, je vais revenir. C'est juste que ça va marquer la fin de l'épisode. Mais sinon, je ne sais pas où est l'autre cube. C'est magnifique, c'est formidable. En fait, le truc tout bête, c'est qu'en fait, peut-être il était au-dessus. Aïe. Alors franchement, je n'ai aucune idée d'où ça doit être. Mais la stupidité. Ok, on l'entend encore. Non mais vous l'entendez pas, mais moi je l'entends encore la musique. Voilà. Et en fait, il y a un truc. Comment faire? Félicitations, pas pour le test. La plupart des sujets sortent de cryostase en aide sous-alimentation. Je tiens à vous féliciter d'avoir pris un poids non négligeable au mépris des probabilités. Mais j'ai même pas pu passer. Bon, attends. En fait, alors là, il y a un gros problème. Bon, voilà. Je vais vous dire à la prochaine parce qu'il va bientôt s'arrêter mon PC. Alors, je vous dis à la prochaine et à ciao.